Amenez les prévenus pour l'interrogatoire. Citoyens! Le commissaire Verdier vous accuse d'être des ennemis du peuple! C'est le Xir, lui. Pièce à conviction numéro 1. Une livrée anglaise donne à penser que vous êtes des espions à la solde de l'Angleterre. Pièce à conviction numéro 2. Un casque avec un protège-nez et une corde de maille. Le fil. Pas d'acier espagnol. Le petit Locteux, c'est qui? C'est un Anglais et un artificier. C'est lui qui portait cette livrée. Bourré d'objets étranges. Exact. On a trouvé dans ses poches des binocles à verre miroitant pour se protéger les yeux de la machine infernale suivante. Un flacon dans une matière étrange qui vient d'Angleterre, puisqu'on peut lire spray. Pourquoi as-tu chapardé ces choses? À présent, il te croit anglois, crétinus. Anglois, moi, quelle honte! Ah! Le flacon est rempli d'un gaz inflammable, très dangereux. L'artisan qui a confectionné cette arme est manifestement un criminel anglais, puisque son nom est anglais. Frank Provost. C'est un pchit. C'est un présent pour Dame Ginette. C'est pour casquer les cheveux. Et une pierre à briquet. Très efficace pour allumer une mèche. Et une plume. Étrange. Qui contient de l'encre. Et qui fait une petite musique. We are the champs. Silence! Vous êtes passible de la peine capitale avec exécution immédiate. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais vite. J'ai l'impression qu'ils ne te comprennent pas. Speak English, citizen. Nous ne sommes point anglois et n'espionnons point. Je vous dénie le droit de rendre justice. Je suis François, Foix de Jacouille. Je ne comprends pas. Tu t'appelles François ou Jacques Couille? Jacouille. Jacouille. Oui. Ça a un rapport avec l'accusateur public Jacouillet? C'est son fillot. Dis-leur, Andouille. C'est vérité. C'est mon fillot qui nous a arrêtés. Qu'est-ce que ça veut dire, fillot? Attention, si c'est son filleul, il lui ressemble beaucoup. Enfin, en plus sale, c'est immonde, c'est cet immense furoncle soit un temps sur son nez. Ah oui, c'est vrai, c'est infect. Ah, oh, le sagouin! C'est soulageant. Greffier, sais-tu si l'accusateur public est de retour à Issoudun? Je crois qu'il soupe en compagnie, citoyen. En compagnie? De qui? Ben, de sa compagne, Charlotte. Charlotte Robespierre. Fais-le chercher, qu'il rapide d'urgence. Charlotte Robespierre. Salut et fraternité. Nous attendions ton compagnon. J'ai pensé qu'il était plus utile à la Révolution de laisser l'accusateur public se reposer. Je suis donc venue à sa place. Le comité de sûreté générale que je préside aimerait connaître le lien entre l'accusateur Jacouillet et le coupable, ici présent. Cet individu prétend être de sa famille, alors qu'il est de toute évidence un espion anglais. Jacouillet est né dans les fossés de Montmirail, j'en atteste. Oui, gars, je suis le fils d'Anselme le Purineur et de Gertrude la Fessue. Commissaire, il s'exprime en patois du coin. Vous commettez une grave erreur. Je veux dire que les gens d'ici, quand ils parlent, on y comprend goutte. Il te faut quitter Paris plus souvent, citoyen commissaire. Citoyen paysan. Tu t'appelles Jacques Couille. Serais-tu lié au grand accusateur Jacouillet? C'est mon fillot. Ouais, bien, c'est limpide. Et qu'est-ce qui est limpide, citoyenne? Cet homme est sans aucun doute Ignace Jacouillet, l'oncle de l'accusateur Antoine-Claude Jacouillet. Antoine. On était sans nouvelles de lui depuis qu'il a été odieusement jeté aux galères royales pour avoir volé une malheureuse demi-sphère de bois. Cet homme est un héros de la Révolution. Et si le petit est un héros? L'autre, c'est qui? Eh bien, ça saute aux yeux. C'est un compagnon de chaîne, un compagnon d'infortune. Tu étais aux galères avec tonton Ignace, n'est-ce pas, citoyen? Certes, aux galères. Avec Ignace. Nous sommes des galériens. Ces deux individus avaient sur eux tout un attirail pour commettre des attentats. Mais avant de les envoyer à l'échafaud, je ne saurais trop te conseiller d'approfondir ton enquête, citoyen commissaire. Je vais suivre ton bon conseil, citoyenne. Oui, c'est préférable. Bonne nuit, citoyen. Bonne nuitée, la Charlotte. Bonne nuitée, la Charlotte. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? On les condamne à mort dans la charrette du matin. À l'échafaud, les espions!